grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et une semaine pour fêter la résurrection du Christ, parce que toute notre foi repose sur ce merveilleux événement qui n'est pas trop beau pour être vrai. Il est parfaitement vrai. Le Christ a vaincu la mort et il nous a libérés du péché aussi par son pardon. Et donc nous allons nous souvenir de cette grâce baptismale que nous avons reçue et par laquelle nous avons été pardonnés. Frères, demandons donc au Seigneur de bénir cette eau et au pied du cierge pascal, nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a racheté.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage.
témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. Mais pas de tourner, j'ai vu sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue nuit, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles et les siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Parole du Seigneur. Cesse d'être incrédule, sois croyant.
Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. La personne qui était à l'origine de la première communauté de Jaffa,
puis un jeune garçon qui était tombé du troisième étage, s'est tué d'abord en bas, il s'est endormi sur la scène, il a basculé, il s'est tué en bas. Et saint Paul l'a ressuscité. Voilà, donc vous avez des exemples aussi très très forts dans les actes des apôtres. Alors qu'en est-il aujourd'hui, mes amis? Avez-vous été témoin de signes par la puissance de Jésus? Peut-être que certains l'ont été par là. Témoin de la puissance de Jésus qui guérit, qui relève, qui sauve. Eh bien, frère, je voudrais vous dire qu'il est important que les signes ponctuent toujours l'annonce du royaume. Pourquoi? Parce que je ne vois pas pourquoi la puissance de Jésus, non, Jésus n'agirait pas aujourd'hui comme il agissait dans le passé. Jésus n'a pas dédaigné de se montrer à Thomas, qui ne croyait pas, qui ne voulait pas faire confiance à ses collègues, qui lui disait, mais on a vu Jésus le soir du premier jour, il est venu, il est apparu au milieu de nous, on a touché son corps, il a mangé pour nous. Je ne vois pas moi-même, si je ne mets pas mes doigts dans les places des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Et Jésus m'a donné ceci. 8 jours plus tard, il se montre à Thomas, lui montre ses mains, lui montre ses pieds, lui montre son côté, et lui dit, viens, mets ton doigt là à la place des clous, mets ta main dans mon côté. Et il ajoute aussi, cesse d'être incrédule, sois croyant. Heureux ceux qui croient sans avoir eu besoin de voir des signes. Heureusement que beaucoup de gens croient sans avoir besoin de voir des signes. Cependant, il est important pour l'évangélisation que le Seigneur donne des signes, car la multitude des gens qui ne croient à rien, et qui ne savent même pas que Jésus les a sauvés, ils ont besoin de voir des signes. Aussi, il faut que nous augmentions notre foi. Tenez, je pense à un signe que Jésus nous a donné. Vous savez que Jésus nous a donné des sacrements. Et pendant la vie publique, il a même envoyé les apôtres devant lui, les disciples, en disant, faites des onctions d'huile aux malades. Et les malades étaient guéris. Et Jésus a donné, a perpétué ça après sa résurrection. Il a invité les apôtres à faire de même. Ça s'appelle le sacrement des malades. Il y a quelques jours, on a eu la bénédiction des huiles par notre évêque, il a béni l'huile des malades. Et cette huile, eh bien, on l'a apportée ici à la paroisse, c'est pour pouvoir faire l'onction des malades. Alors il ne s'agit pas de la grippe, hein, le petit rhume, il s'agit de quand on est gravement malade. À l'hôpital de Chalon, il y a quelques centaines de lits. Malheureusement, c'est pas souvent qu'on nous téléphone pour nous dire « Père, on vient de me dire que j'ai un cancer, que je suis diabétique ou que j'ai un problème rénal. Et voilà, est-ce que vous pouvez me donner le sacrement des malades, l'onction des malades ?» Je peux vous dire par expérience, parce que j'ai quand même la joie de donner au moins chaque mois, sinon 2 fois par mois, ce sacrement apaise, est une grâce qui accompagne le malade. Et de temps en temps, le Seigneur guérit. Il guérit. Une guérison inexplicable, inexpliquée. Mais seulement, ça ne fait pas la lutte des journaux. Pas du tout. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. C'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Alors, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ont des maladies graves, qui n'ont jamais demandé le sacrement des malades. Demandez l'onction des malades. Demandez à la recevoir au milieu de la communauté, on va tous prier pour vous. Et je suis sûr que le Seigneur donnera des guérisons. Le Père Emiliano Tardi, que certains ont peut-être rencontré. Est-ce qu'il y en a qui ont rencontré le Père Emiliano Tardi? Oui, c'est tout? Personne d'autre? C'est vrai qu'il est mort depuis plusieurs années déjà. Mais lui, il disait ceci, et moi je l'ai entendu de sa bouche parce qu'il réunissait les prêtres quand il faisait des rassemblements. Il nous disait, mes chers confrères, soyez convaincus que les communautés ont le charisme de guérison. Mais vous n'exercez pas, parce que vous ne faites pas prier vos chrétiens pour ça. Alors dans la communauté d'Emmanuel, on est censé le vivre. Il y a une paroisse, c'est vrai à Paris, où ils font ça toutes les semaines. Il y a des guérisons en pagaille.
vraiment pas gagné. Je vais faire la liste, je ne sais même pas si elles sont recensées. Ça se passe aussi à Paris-Monial, peut-être aussi mettre ici à Chalon. Donc, croyez-moi, ce serait pas mal que le Seigneur nous donne des signes. Alors après, c'est lui qui choisit, qui guérit, c'est ce qu'il veut. Mais n'empêche que si on a la foi, le Seigneur va donner des signes. Regardez dans l'évangile, Jésus demande la foi. Vous vous souvenez ce papa qui avait un enfant épileptique et possédé? Les apôtres n'avaient pas pu le guérir. Et en descendant de la montagne, c'est une voix dans la foule, parce que les apôtres se coupaient leur truc. Hein. Donc, ils amènent le gamin à Jésus, le papa dit « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon fils ?»« Est-ce que je peux faire quelque chose ?» As-tu la foi ?« Oui, Seigneur, mais augmente ma foi, augmente ma foi !» Voilà le problème. « Augmente notre foi, Seigneur !» La puissance de ta parole, la puissance de ton nom, augmente notre foi, Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus guérit l'enfant. Vous imaginez que le papa qui a vu ça, sa foi, elle a grandi chez lui. Après, il était convaincu que Jésus était bien de son heure du monde. Et voilà, on a besoin de signes. Vous voudrez qu'on ait plus de foi, demandez au Seigneur, Seigneur, donne-nous des signes de ton amour et de ta puissance. C'est une œuvre de miséricorde. Vous voyez, la miséricorde de Dieu, ce n'est pas seulement le pardon des péchés. C'est le signe qui accompagne l'annonce de la bonne nouvelle. Et Jésus n'est pas avare de signes. Il en donne. Vous savez, on parle quelquefois des chrétiens d'Orient. On ne raconte pas beaucoup ce qui se passe, mais je peux vous dire que le Seigneur fait des miracles pour eux. Parce que eux, leur vie est en danger. Il faut avoir la foi pour oser dire « Je suis chrétien et je resterai chrétien » alors qu'on vous menace de mort, qu'on vous prend votre maison et qu'on vous jette dehors sur les rues, sur les routes, ou sous le soleil. Il faut avoir la foi. Le Seigneur fait des miracles. Il accomplit des signes. Et nous. Alors, en cette fête de la miséricorde, demandons au Seigneur que grandisse notre foi et que nous ayons l'humilité de lui demander de nous donner des signes, afin que tous ceux qui sont autour de nous puissent entendre la bonne nouvelle et voir la puissance du nom de Jésus à l'œuvre, et qu'ainsi, touchés, ils deviennent à leur tour croyants et puissent augmenter la communauté, cette communauté des croyants, que ceux qui, du dehors, les voyaient, n'osaient pas se joindre à eux, mais ils faisaient leur éloge. Et il faut qu'ils se joignent et que nous soyons de plus en plus nombreux à proclamer cette puissance du nom de Jésus.
Nous te la confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.